Salut la compagnie. Ici Marco et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un live action ainsi qu'un petit avia show dont je vais mettre le time code dans la description sur l'épisode numéro 18 de la saison 3 de l'attaque des Titans. Et cette fois-ci pour m'accompagner, on a essayé de voir l'épisode en même temps avec Senpai donc ça va être une sorte de, de double live action ainsi que double avia show hein, même si là c'est on débute un peu, c'est la première fois qu'on fait ça donc euh, espérons que ça fonctionne correctement quoi. Je ne vais pas vous faire un résumé de l'épisode précédent. On sait, pour ceux qui connaissent l'anime ou qui l'ont vu tout simplement, l'épisode avant de venir sur la vidéo, ce qui me paraîtrait logique. Hein. On sait à quoi s'attendre, donc je ne vais pas vous faire le résumé habituel. Je vous propose tout simplement de lancer le live action tout de suite. Ah, la tête d'Armin quoi! <laughs> Barbecue, putain. <laughs> Tata. Ils le font avec les yeux rouges quoi! Déjà! À cache, hein! <laughs> Ça fait bizarre de ah, l'avoir avec si les yeux rouge, c'est vraiment un ajout de l'anime ça aussi. Ouais mais pour montrer. Euh, ouais, qui est je méchants, suis méchant. Hein. Oh classe. Ouais, putain. Le silence qu'il y a. Ouais ça fait bizarre. Ah et lui il sait pas que c'est euh, bestial. <laughs> ouais. Oh putain. <laughs> Ah, j'ai balle pour Berthold. Oh, le oh, sourire quoi, du. Que tu ressens ce que je ressens, putain. Ouais. T'as vu le sourire du. Du 4-pattes, ouais, je... là, mon dieu. <laughs> c'est fou quand tu connais le manga, c'est tellement hallucinant ouais, ce qu'il dit. C'est ce que je voulais dire. Mm. Ça me fout les frissons, putain. <laughs> La comparaison. Grave. Mon dieu. Un tuable Levi, quoi. Oh, la tête Oh, ils l'ont bien animé. On dirait un zombie, le mec. Oh, putain Tu vois comment il tombe Ouais, classe, hein. Grave. C'est pareil dans le manga, je me rappelle plus. Ouais, c'est ça. <laughs> YOLO, je t'abandonne. <laughs> le pauvre... Ah putain, mais... oh, putain, Armin qui fait. <laughs> ça y est, il est pas mort, il est pas mort. Ah, ça y est, on a le titre. Mais pas d'intro. C'est bizarre. C'est vraiment parce que, parce que tragique. tout en tragique. Fait, ouais, je pense que c'est ça, ouais, c'est tragique. Alors ils ont laissé. Oh, oh la gueule <laughs> de Rainer, mon dieu. <laughs> le pauvre, il a pas été loupé. Hein. Je croyais pourtant qu'il avait des cheveux dans le manga, mais non. Ah, je t'avoue que j'ai pas. Du coup, j'ai pas re regardé Ah voilà, regarde euh, derrière. Ouais, il en a un peu, ouais. Il y a une petite calvitie, là. <laughs> il est moine. <laughs> ah oui, c'est vrai, il a le message d'Imir pour Krista, ouais. Ouais. Tu vois comment il parle Moi, j'aimerais savoir comment ils comptaient leur remettre, sachant qu'à la base, ils devaient tous les buter. S'il y est autant attaché, mais. Euh... Ouais, c'est vrai. Mais ils pensaient qu'ils allaient euh, la récupérer après, tu vois. Hmm. Ah oui. Ah <laughs> oh, mais la tête de Rainer quoi. Il va pas pêcher ce soir. Hein. Oh putain. Mmh, ah, ça faire, trop hein. bon, putain. Ouais. C'est trop bon. Et sans trop de musique et tout. Il est sérieux lui. Ça est le moralisateur à euh, Jean quoi ça là reiner ça lui fait quand même mal hein. ah bah tu m'étonnes même s'ils peuvent se régénérer ils doivent douiller là hein. même berthold hein, je dis il doit... il doit pas se sentir bien quoi si c'est le pire ouais Ah le coup de l'épée dans la bouche là <laughs> et quand même elle va prendre du temps elle va attendre hein. à deux secondes elle voulait pas prendre le risque et là ça y est elle l'a fait le faire hein. Ouais grâce à Jean ou plutôt à cause de Jean. Ouais. Parce que ça va quand même être une erreur. Hein. Putain. Ah elle a su en tout cas. Ça va être la merde, putain. Quoi Ah on passe directement. Voilà. Armin a recommencé à respirer. Euh. Ça va pas super bien. Oh. Ah, tête quoi. <laughs> Le pauvre. Oh, putain. Mon dieu, ça doit piquer là. Je cherche la seringue. Oh là là, là j'ai mon en temps, mon Et Bertol pendant ce temps-là, il continue de pioncer. Je suis allé, putain. J'ai tellement pas envie de voir ça. Ah. La fumée rouge, je vois pas à quoi ça sert là. Enfin, je sais pas à quoi euh... ça correspond. Oh ouais, putain. Mal, oh bien joué, Genre Je me rappelais pas qu'il sauvait les miches. Ouais. C'est à cause de lui que... Mmh, là, ils ont récupéré Raider du coup. Ah, ouais, les boules, quoi. <laughs> C'est à cause de lui. <laughs> La position de Jean à quatre pattes, là. <laughs> il y aura des trolls après, putain. J'avoue. Oh putain. Oh mon dieu. Ah la seringue, il la donne. C'est tellement calme. Sauf que. Je... Voilà, l'élément perturbateur arrive. Il est pas mort. Tous ont la même idée là. Désolé, Armin, mais te... pour moi le choix il est oh, tellement putain, évident. Le bruit. Un petit OST là, putain, ça serait oh. bien. L'hésitation. Et à la récupération de l'injection. Et là, la RN, tout son monde s'écroule. Non C'est ça. Tu sais, ça fait l'ascenseur émotionnel. Armin est mort, Armin va survivre, Armin va mourir. Il respire encore. Putain, mais lui, il est couvert de sang, <laughs> <Il> les <vaille. rire> C'est bizarre parce que ça part pas, le sang. Normalement, ouais. ça devrait. C'est vrai. Mais je crois qu'il y a de la vapeur dans, dans sa tête. Ah oui. Et merde. Oh là là. Oh là, là. Pas content. T'as vu comment il s'est mis euh, debout face ouais. à Levi Ah. À la scène... Euh... Celle qu'on avait eue, -teaser, ouais. teaser, là. Ouais, c'est ça. <laughs> celle qu'on avait eue à l'époque, ouais. Le désespoir. Hum. Oh, putain. Il ouais, y a nos match, les gars. C'est Erwin, pas Armin à sauver, là. Ouais. C'est bien. Ah, je me rappelle ça. Ah. Tu m'étonnes que tes sentiments t'aveuglent. L'objectif d'éviter des règles quand même, c'est zéro là. Hein. C'est bien, Levi. vas-y. <laughs> ah, la fameuse scène. Putain. Ah, c'est oh. tellement classe. tellement classe. Puis Flosh qui doit dire putain il se passe quoi là. <laughs> ouais. Gros con. <laughs> ouais merci Levi, Je suis d'accord avec lui. Mais c'est là où RN il va commencer à, à soutenir Armin avec tout ce qu'il a fait depuis le début. Ouais. Enfin c'est oublier ce que Erwin a fait depuis le début aussi merde. Ah voilà. Mmh. La mer et tout. En même temps. L'idée de combler avec de la pierre, c'était évident, enfin je veux dire, n'importe qui aurait pu l'avoir l'idée. Euh, le piège d'Annie, il a pas marché. Donc, <laughs> franchement, ça, je veux dire, tu défends... Ah, il a eu plein d'idées qu'on ratait, hein, Armin, hein, bravo <laughs> C'est quand même un... quand même un héros. Ouais, on ouais, est ouais, d'accord, mais bon... Erwin, euh, quoi, merde. Oh, putain. Tu me ferais choisir entre Armin et Cody, je te dirais Armin, mais là, non. <laughs> Insubordination. J'ai des frissons, Marco. Putain. Tu ressens tellement l'émotion de Derrain et Arnaud. Ouais, tu tu ah, sens attends, la, la détresse cassa. là, ouais, de Mikasa, Ouais. Là. Ah, pour une fois, je serais d'accord avec Flush. Il va dire un truc intéressant. Euh... Euh, quand tu parles du manga, tu vas voir, Marco. J'espère qu'ils n'ont pas changé les paroles. <laughs> Tout a fini d'échouer comme prévu. Hum, C'est mignon. <laughs> Ouais, putain, quand tu vois la tête de Marlowe. <laughs> J'avoue, Marlowe, le pauvre, il a douillé. Hein. Ouais, encore une fois, le silence. Il voulait l'achever. Ouais. Putain, il a failli tuer son major quand même. Hein. Ouais, pour euh, qu'il évite euh, qu'il souffre. Quoi. <laughs> ouais, 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 c'est ça. <laughs> oh. Trop classe. Ouais, j'avoue, hein. Ah, voilà, regarde. Seul un démon pour attentir les titans. C'est grave un truc en rapport avec le manga. Le fait qu'ils a... qu disent que c'est un démon Démon, titan. Pfff. Oh putain. Ah, Anji putain. Classe, enfin. Là, on va chialer, je crois. Oh, ah, ils putain. sont tous revenus là, ça y est. Oh, ça. Oh, putain. Ah, c'est tellement... Oh, mon cœur. Oh, bordel, mon cœur. J'ai tellement des en frissons pour elle. J'en peux plus. J'avoue, c'est triste. Je, je, je vais verser une petite larme, là. Voilà, merci. Merci, Angie, de confirmer ce que je dis. Elle, tu vois, elle est résignée. Elle va se laisser faire, je pense. Ah. C'est là qu'on verra. Euh... Ouais, je pense qu'on va avoir euh, l'autre là. Ouais c'est ça. Mobli. Moblit. Et la transformation. Ah putain. Ah le, le sacrifice quoi. Ah t'imagines la dernière chose qu'elle a dû voir c'est voilà c'est Moblit <rit> se faire. Oh euh... non. C'est de se faire oh balayer quoi. <rit> Tu Mec, te je te... tremble, tu oh les frissons te... que j'ai! C'est ouf. Et elle sort du puits, elle voit ça. Oh, oh mon dieu, je te dis pas le désespoir quoi. Oh là 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 là. Bordel. C'est fou, c'est fou franchement. Dommage qu'il y ait pas un petit OST là. <laughs> un, petit imir... chalé, sinon. <laughs> un petit Un imir... petit <laughs> Oh les larmes. C'est le moment de dire un truc grave, vas-y. Un truc lourd de sens, Mikasa, vas-y. Oh, bon bah non, elle va rien dire. Non, elle va laisser là, tu vois, ouais, elle laisse tomber le bras, elle abandonne. Putain, il... il en demeure pas lui. Hein. C'est là qu'il parle de la mer. Putain. Ah, merci Floc, fais quelque chose pour l'arrêter. Pour une fois, je suis ton... de ton côté. Ah, T'es sérieux <laughs> Il a perdu ses dents, regarde. Ah, bah oui, bah t'as vu comment il a défoncé. Ah, je savais pas qu'on les voyait à ce point-là. Ah, la vache. Ah, le... Je te dis pas, la... la droite du caporal, elle est violente. <laughs> ah, putain, je me pensais comment. Quand... Ah oui, il a carrément oublié euh, le rêve d'Armin. Ouais alors que lui il parlait encore de... C'est vrai que c'est le seul à en avoir parlé de la merde là au chapitre, enfin à l'épisode précédent. Ouais. Ils sont tellement déprimés, mais tu m'étonnes. Pourtant il y a eu tellement de centaines de morts là. Oh c'est trop mignon. Oh putain. Sayonara Armin. Oh putain. Oh. T'arrans. Putain, Eren oh, qui s'éloigne. Oh mon dieu. Oh mon dieu, la scène elle est tellement triste, franchement. Oh. Putain, putain, putain. Il y a un truc qui me fait rire, mais c'est vraiment pas le moment quoi. Mais le tas de Bertolt on dirait un bout de viande là. <laughs> le mec, il balade dans un sac de purée quoi. Un sac de patates une qui est posée. <laughs> oh putain. Ouais, il repense à Armin quoi. Oh Je me rappelais pas qu'il faisait ça. Attends, il a bougé ouais, vraiment consciemment Ouais. Ah oui et au début dans le manga, il y avait cette scène qui était vraiment inexpliquée, tu vois. Regarde. Là, ah, il a eu une hallucination, là. Je crois, ouais. Avec son prof, tu sais, quand il. Avec son père, tu sais, quand il y a l'histoire de... du père qui a... Qu a donné ses théories, qui s'est fait buter pour ça, là. Ouais. Ok, je comprends mieux maintenant le, le choix. Et t'es toujours d'accord non, je suis jamais, jamais été d'accord avec le choix de Levi. <laughs> ah, mais tu l'as compris quand même. Mais je le comprends, c'est pas pareil. Oh putain, le arigato là. Hmm. Je croyais quand même oh, qu bordel, lui donner quelques, quelques pas, mots à pas. Levi quoi. Oh, la tête de Levi. Non mais le mec, putain, le pauvre, il a, il a perdu tant de gens. Oh. Là, il va en perdre un de plus là. Oh putain, c'est maintenant. <laughs> ah oui. <laughs> Oh putain! Mais Le silence! C'est pas Erwin! Oh là là, mon dieu! Il y aura l'écrit! Oh putain! Et il voit ses potes! Oh mon dieu, Berthold! <laughs> il <rire> oh, va se souvenir dieu. que, bah en fait, non, ça, ça marche pas comme ça! Eh non! Oh bordel! Oh mon dieu, c'est horrible! Oh, c'est horrible oh. là! Ça. Oh, mais bah, au moins, hein. moi, ça fait plaisir parce que je trouve que Berthold il déborde pas d'émotion oh, et c'est la deuxième fois de l'anime qu'on le voit comme ça. Et J'attendais ce passage-là, quoi. Ah oh, oh, mon dieu. Mais grave, moi aussi. Ah, et finalement, Erwin, on lui a épargné ça. Comme quoi, c'est en fait c'est l'histoire de la, du, de la motivation qui l'a fait changer d'avis, je pense. Parce que Erwin, c'est but, but d'aller voir la cave et c'est tout. Ouais. Alors que dans l'idée je veux pas être méchant mais si le but d'Armin c'est d'aller voir la mer, euh, c'est vite réglé aussi hein. <rire> <rire> Mais mon dieu Marco putain l'épisode jusqu'à maintenant. Ah l'épisode d'avant était tellement ouf que celui-là fait moins épique quand même mais malgré tout putain. Ah oh. <laughs> oh, c'est trop bizarre. Il chute oh, oui, comme ça après que... l'avoir bouffé Ouais. Je rappelle pas de ça. Ouais bah t'as oh, même pas putain. réussi. Non, Erwin Oh, putain. Ah, ça fait quand même quelque chose, putain. Erwin, merde. Oh non, l'OST, Waouh, putain. Je frissonne. Ouais. Renaissance. Ah, j'avoue classe. Ah, ils en pleurent de joie tous, t'as vu Ouais. Est-ce qu'on va voir la scène Oh non on voit pas Sérieux Non Je voulais l'après Je voulais l'après <laughs> Ah, les putes, quoi. Oh, honnêtement, euh, l'épisode, je sais pas pour toi, mais moi, je l'ai trouvé... Enfin, évidemment, l'épisode d'avant, il était vraiment épicness. Je veux dire, t'avais du combat, il y avait du sang et tout, donc forcément, celui-là, il était un peu moins attendu, parce que même s'il y avait des trucs ouais. qui allaient se passer, forcément, t'avais un résultat avec euh, les, les blessés, les gens qui étaient, entre guillemets, euh, kidnappés. Le, le Rainer et, et Berthold, je m'attendais à quand même un truc moins hypant, même si je savais ce qu'allait se passer. Et j'avoue qu'ils ont transposé énormément d'émotions et je pensais pas qu'ils en seraient capables. Moi aussi, mais en fait, t'as l'épisode, il y a un putain de silence qui est très pesant. Mm. Ça a son sens, mais j'ai trouvé qu'il fallait aussi mettre quelques OST, tu vois. Ah bah, j'avais le son mais... très faible, mais il y a eu que l'OST en fait, quasiment que pour. Vers à la fin. Ouais, c'est ça, vers la fin. Mm. Quand il y a Armin euh, qui prend le pouvoir et tout. Mais quand tu vois Liva, il qui descend là. On dirait qu'il a, enfin, qu a, a pas de yeux, tu sais. Enfin, qu'il a pas de pupille. Ouais, t'as vu. C'est tellement classe, franchement. Ouais. Je sais plus si c'était comme ouais, ça. Normal dans... Vas-y. C'était exactement comme ça. Le mec, il était en fait, c'est bon, il en avait marre de tout. Mais moi, en fait, quand tu le vois tomber, on dirait euh, qu'il a plus de force et tout. Ouais, Mais il non. se laisse tomber. Alors que moi je le vois plus comme du genre, euh, tu sais, un, un peu un, un zombie d'animé, tu sais, il, il, il agit plus, euh, il, 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 par réflexe, tu sais, il y va, il fait, oh, vas-y, je vais te défoncer Sig. Ouais, <laughs> c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que le, le timing de flush là, mauvais. Hein <laughs> Comment foutre la merde, tu sais C'est là que tu te dis, euh, pour ceux qui ont vu le manga, euh, il aurait dû crever quoi, à ce moment. <laughs> Floc. Ouais, putain. Mais euh, là, là, le côté, euh, l'ascenseur émotionnel en fait, avec les personnages qui étaient là le moment avec Andy pareil quand tu vois Andi le moment où elle va perdre Mobli peut-être tu le vois ah oui. qu'il la balance dans le puits et elle qui dit à son blanc en fait juste avant elle dit on, on aimerait tous trois que des gens ouais. euh, voilà que des gens se fassent ressusciter en fait autant l'épisode d'avant c'était la putain de hype avec les, les trois combats t'as eu les trois méchants entre guillemets qu'on a défoncés en même temps ouais les trois titans cet épisode là c'était vraiment les les émotions qu'il y avait après L'endroit où ils se rendent compte parce qu'ils sont en plein milieu du combat donc ils font pas gaffe, ils, ils se battent, le but c'est de gagner et puis là c'est fini et ils se disent putain, on est combien survivants <laughs> par rapport à tous <laughs> les autres c'est On est en train de perdre tout le monde parce qu'ils pleurent à, à mort, la, entre guillemets, la mort de Liva, enfin de Armin et et de et d'Erwin, ils savent pas lequel va crever. Ouais. Tu, tu sens toute l'émotion, franchement, c'est un épisode hyper émouvant pour ça vraiment. Euh... Ouais. Ouais, oh, tu vu entre euh, as Mikasa, et Armin, euh, Mikasa et Ren qui sont en train de défendre Armin et tout. Mm. Et euh, en fait, t'as Angie et Levi qui, euh, qui leur font comprendre que genre, vous n'êtes pas les seuls à avoir perdu des, euh, des êtres chers. Grave. En plus, ouais, c'est des nouveaux dans l'idée. Eux, ils ont pas perdu grand monde par rapport à, à Levi et Anzi. Ça fait des années qu'ils sont en train de voir ouais, des je gens mourir. Genre, le, oh, l'escouade Levi... de Levi, elle n'existe plus quoi à l'époque. Ouais, c'est ça. Mais euh, Levi, tu as, tu as déjà son escouade. Tu vois c'est deux potes, Farlan et, euh, et Isabelle, ou je, je crois, oui. Is Isabella. T'as oui. Kenny aussi. Et <laughs> ouais, euh, quand, tu vois, quand tu vois dans la saison 3, après la mort de Kenny, il sourit carrément dans, dans le palais là où il y, y a Historia. Mm -hmm. Putain, c'est... Franchement, le mec qui a perdu beaucoup de gens et après il sourit, c'est waouh quoi. Ouais, non, mais mais ouais, sinon... Et sinon puis... ils n'ont pas perdu euh, plus, de, plus de membres que... Ouais. Non est Non, sûr. Bah, clairement, eux, ils en ont perdu des centaines, hein, à mon avis, des, ca des camarades, parce que ça fait des années qu'ils sont là. Je sais plus depuis combien de temps Liva est dans le bataillon, mais ça fait un ouais. sacré bout de temps, quoi. Mais aussi, quand tu vois Erwin, c'est limite un pilier pour eux, tu vois. Genre, enfin... Le voir mourir, c'est un truc inimaginable. Mais c'est un pilier pour moi. Franchement, c'est un... un pilier, quoi. Ouais, clairement. Bien sûr que ça oui. et ils le disent d'ailleurs. Sans non. lui, il n'y a aucune chance. D'ailleurs, le... je trouve que le discours des raids n'est pas du tout objectif sur Armin, mais sans lui, il ouais, y a, a une chance qu'il gagne, quoi, dans l'idée. Enfin, on verra après, <laughs> mais... Et pareil le moment où Mikasa elle est retenue par Angie tu sais et que tu vois qu'elle baisse les bras. Tu sais qu'elle abandonne, ouais, je... qu'elle lâche le bras, mais... Elle a tout lâché. C'est vraiment je trouve que WIT Studio ils font quand même un taf de ouf là. Entre cet épisode-là et le précédent, et même encore ceux d'avant, je trouve que c'est hyper touchant quoi. J'espère qu'on va pas arrêter l'animation. Je sais pas si euh, la rumeur a été confirmée, mais j'espère vraiment pas pour la saison 4. Ah on verra bien. Déjà on attend de voir s'il y en aura une. Ouais, après genre sans vraiment spoiler mais j'ai envie de dire que la, la saison 4 ça va être un truc qui n'a un petit peu rien à voir avec euh, le monde Mhm. Mm ça passe pas comme spoil ça, non. Bah, c'est un peu comme le cha... début la partie 1 de la saison 3 en fait. Ouais c'est ça. Ouais, ouais voilà. C'est un bon exemple. Mais du coup changer de studio pour faire un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant, ça peut le faire. Ouais. Moi bon, je bon... dis peut-être que ça peut le faire. Si on peut éviter, parce que With Studio ils font du beau taf, pour moi SNK c'est With Studio, tu vois. Donc. Euh, faut, pas, faut pas changer ce qui marche, quoi. Ouais, bah je suis d'accord. C'est de Punch Man, fallait pas changer. C'est <laughs> <laughs> pareil. On voit la différence. Mais vraiment autant, je te dis, l'épisode d'avant c'était l'épicnèse des bastons. Là c'était une conclusion super stylée. J'ai bien aimé aussi quand, quand à Armin, on, on nous met un peu en, on, dans le doute, hein, mais c'était comme dans le manga, je me rappelle, on le savait pas vraiment quand on voyait la personne qui bouffait Berthold, mais. On ne sait pas ouais. qu'il a filé à Armin, c'est vrai que quand tu vois la gueule du titan, c'est évident. C'est évident que c'était Armin. Et comment il gueule Berthold aussi, vraiment, c'était l'épisode de 100% émotion, quoi. clairement. Ouais. C'est ça. Mais du coup, là, enfin, le prochain épisode, ça va être le sous-sol. Ouais, prochain épisode, là, on va avoir les révélations. J'ai vraiment hâte, ah, putain. Et en fait, j'arrive même pas à y croire, parce que tu te dis que c'est bon, tu, tu pourras plus lâcher le « tu n'es pas prêt tu... ». Enfin, ouais. le, le mystère qu'il y avait dans le sous-sol... Bah, ça va disparaître en fait. Tout le monde que, va être au courant maintenant. C'est vrai que tous les gens qui lisaient que l'anime, le tu leur disais à chaque fois, enfin qui regardaient que l'anime, tu leur disais à chaque fois, mais mec, t'as <laughs> pas idée, tu n'as pas idée de ce qui se cache derrière cette histoire, et là, bah, tu vas savoir. <laughs> Dans une semaine, tu sauras. Ça va être. Parce ouf, que hein. je pense que quand même le plus grand mystère de Senka c'était le sous-sol, tu vois. Ouais. Même ce qui vient après et même les choses qu'on ne sait pas encore, c'est on peut pas comparer avec le sous-sol, tu vois. Non. Ouais. Ouais, C'est vraiment, vraiment le, truc, le, le truc qui va bouleverser un petit peu tout l'ordre établi par rapport à ce que les gens pensent des SNK. C'est ça. ça. J'ai aussi vraiment hâte de voir la réaction des viewers d'animés parce que moi je ouais. connais le manga. Tu te dis si seulement tu connaissais pas. Ouais, bah des fois j'aimerais bien revenir en arrière et oublier tout ce qui s'est passé, franchement. Et si tu devais ouais, lui donner une ça. note, vas-y, sur 10, comment tu lui donnerais Une note sur 10. Toi tu vas être généreux, je le sens. <laughs> je donnerais un 8 et demi. Ouais. Allez, moi je donnerais 8, ouais. juste pour le fun. Là, j'avais donné 9,5 la dernière fois, pour pas mettre 10. Là, on va mettre 8, allez. Parce que c'était sympa, moi, mais bon... Je connaissais peut-être que j'aurais été beaucoup plus ému si j'avais pas vu, si je savais pas, entre guillemets, euh, globalement ce qu'il oui, se passer, quoi. Normal, mais genre, pour moi, il manquait un petit peu quand même des OST. Mais après, ah. vous allez me dire que le silence, c'était logique. Je suis d'accord. Mais pour moi, j'aime bien quand il y a, il y a des OST tristes, tu vois. Ah, ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça fait encore plus effet. Ouais, grave. Je trouve que les... c'est un prix, parti pris intéressant de ne pas mettre d'OST, mais je trouve que ça fait tout de suite un peu vide. Je préfère quand il y a quelque chose au bout. Mais on va pas cracher sur l'épisode, bien sûr, elle ah, était ah, du... magnifique. Je m'étonne, franchement, c'était du bon. C'était du très bon. Voilà, ma vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. Je remercie Senpai qui a participé à la vidéo. Hein. On a fait ça un petit peu à la One Again, mais bon, c'était agréable de partager ça avec quelqu'un pour une fois, hein, plutôt que de me retrouver seul devant le PC. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous connaissez la chanson. Pouce bleu Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez une note également à cet épisode sur 10. Hein, J'attends de voir votre avis dans la zone commentaire. Et puis n'oubliez pas non plus de partager la vidéo. Et si vous avez 30 secondes devant vous, d'aller visiter mon lien YouTube. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêt à consacrer 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss